Alors, le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'intitule « Démocratisation de l'art à travers des afterworks ». L'idée pour moi, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, j'ai initié une émission intitulée « Pinceau d'or » qui est axée sur les arts visuels il y a 2 ans de cela. C'est toujours dans la continuité de la promotion de l'art visuel au Mali et de l'art visuel en Afrique de façon générale ou à travers le monde même, pourquoi pas, mais comme c'est petit à petit. Donc de l'idée de pinceau d'or, nous nous sommes retrouvés maintenant avec ce projet démocratisation de l'art à travers des afterworks. C'est de sortir un peu les artistes et leurs œuvres des différentes galeries, des ateliers de création pour les amener vers la population. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé ce travail-là. Et 10 ans que j'ai commencé à faire ce travail. Moi, je fonctionne dans la fabrication des petits vélos et de faire des tableaux et en même temps des volants aussi. Je veux beaucoup de moyens, quoi. Si vous avez j'ai un appui, ça me permettra de fonctionner plus que ça. Ce travail-là est beaucoup marginalisé dans notre pays. Les gens ne considèrent pas trop les artistes, encore moins ce qu'ils font. Donc, c'est une façon, je l'ai dit, d'amener l'art vers la population afin que les jeunes puissent avoir plus d'accès à l'art visuel. Si je dis art visuel, nous avons la peinture, la photographie, la sculpture, le design et beaucoup d'autres, même l'installation. Tout ceci font partie des artistes plasticiens. Donc, permettre aux jeunes aujourd'hui d'accéder à ce monde, ça ne peut qu'être qu'un plus dans le futur pour permettre l'expansion de l'art à travers tout le Mali. Dans les jours à venir, si j'ai des matériels, si avec l'appui des partenaires aussi qui sont impliqués dans ce domaine, vraiment, ils peuvent m'aider dans ce sens. Si j'ai des partenaires sincères, ils peuvent m'aider, il n'y a aucun problème. Je vais faire ce que je peux faire ça avec des enfants. Alors, à mon niveau, ce que je peux, ça c'est un début. Je vais l'aider du mieux que je pourrai. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'est propre, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec mes projets d'ailleurs. Donc ça, ce n'est qu'un début. Mais si déjà, à travers ce projet-là, on peut lui permettre de se faire connaître à travers les différents canaux. Il y a des télés ici, des radios, des journaux presse écrite et même des journaux en ligne. Ça ne peut être qu'un plus pour lui. Donc vraiment, l'idée, c'est de mettre un peu de lumière sur sa personne et sur ses créations. Alors, déjà pour le premier artiste qui était à sa toute première exposition, lors de la première séance, le jeune Youssouf Ali Dolo, c'était un plaisir vraiment que j'ai ressenti en lui faisant en tout cas cette ouverture-là, parce que c'est quelqu'un qui ne considère pas lui en tant qu'artiste, il ne considère pas son travail. Ça, c'était ma première fois de tomber sur un artiste qui s'exprimait ainsi dans ces termes, en ces termes je dirais. Donc, après la séance After Work, il a manifesté vraiment son intérêt pour l'art. Il dit que ça l'a beaucoup boosté, ça l'a beaucoup encouragé. Les gens l'ont appelé pour le féliciter. Donc, nous, on ne cherche que ça. Si ça leur profite, tant mieux vraiment. C'est vraiment ça l'idée.